pas un mot ni même. Et on se fout de la gueule de qui là? Tu l'as vu la villa à Cabriche avec la piscine et le cheval? On se fout de la gueule de qui là? Et le merluchon, non? L'émission a été vaguement pas mal, bon, c'est complètement con d'HLTV, c'est vraiment pour les débiles mentaux. Mais... de ce grand processus de refondation, le processus. Aujourd'hui, ça va pas tomber de Paris, ça va pas tomber d'en haut, cette refondation. Et si elle tombait d'en haut, elle serait ratée. On va pouvoir discuter de tout, l'organisation du mouvement, la philosophie qui est la sienne, la philosophie de l'action. L'émission n'était pas trop poivre. La transformation de notre mouvement, qui est un mouvement d'opposition, en un véritable mouvement de gouvernement. T'en veux du merluchon, toi? Bon, le mec, il est quand même franc-maçon. Il est riche que t'en peux plus, que tu crois pas. Mais il n'y a rien à son nom. C'est là où il est malin. Si seulement il était sincère, et si tous y racontaient pas que des conneries. Vous voyez pas que ce changement d'air et d'herbe, vous comprenez pas le CGT, c'est pas la CGT, le Conseil Galactique Temporel. Je suis chef d'état d'âme, et en plus je vous emmerde pour les connards à pognon, les formatés du bocal. Les sous-cachetons, on les réduit à rien avec la putain de chimie de merde. Mais au PSG, on s'en bat les couilles. 230 millions là, j'en ai marre. J'en ai pas Neymar. J'en ai marre. Les Parisiens auraient finalement pu voir le match tourner suite à une faute de Pedro Mendes sur Cavani en fin de partie. Mais l'arbitre n'accorde pas de pénalty. Paris se contente J'en ai rien à foutre du foot. C'est de la merde. Il y a trop de millions en jeu. C'est que de la merde ce que vous faites. Voir tous les débiles s'exciter devant la télé. Faut vraiment avoir pas d'identité propre. Faut savoir pas quoi foutre d'autre pour partager quelque chose. C'est de la merde. Vous faites que de la merde sur Terre. Vous avez vendu vos âmes à l'argent. Je vais d'abord ma révolte planétaire. Maintenant, on va faire des lois planétaires. Le wifi dans les mosquées, les synagogues, le machin. Ça fait depuis 2008 que je l'écris. Et j'en ai plein les couilles, même quand elles sont vides. La politique, je suis apolitique. Tu me la fais pas, là. Tu ne la tombes pas à l'envers avec tes blablabla, costard-cravate, là. En train de bouffer du caviar, hein, faire des restos, hop. Pendant que les autres sont dans la rue, ils n'ont rien à bouffer. C'est comme le début des studios, début de Chaumont. Mai 68. Ah, je vais l'avoir, mon mai 68, en septembre 2017. Parce que là, je vais balancer tout l'esprit qui est en mon pouvoir. Déjà, la météo, j'arrête pas de le faire serrer. Voile de nuages qui va s'installer. Bon, Marc, c'est des menteurs, c'est le projet Arc ou quoi. Partout ailleurs, vous conserverez une très belle journée. On la fait pas à l'envers. Mis à part ces nuages un petit peu plus nombreux sur le quart nord-est, et puis ça va faire 48 ans et 3 mois que je me fais enculer dans cette planète d'ordure du gouvernement. Alors moi, je veux un gouverne vrai et je veux des médicaments vrais. Il y a des mecs, si je les vois, je leur mets des coups de boule. Voilà. Ou des gifles. Voilà, 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 voilà.